starts to be alright. Now I can see exactly who you are pretending we used to be. Alright. Yo les gars, c'est Alkay du Patin d'animation et aujourd'hui je vous parlais de la suite The Promised Neverland. Hier, 28 mars 2019, a été diffusé le dernier épisode de la saison 1. L'épisode était magistralement bien fait, on a eu droit à des musiques époustouflantes, une mise en scène juste sublime, et même un flashback qui franchement était plus qu'intéressant. Mais je ne suis pas là pour en parler aujourd'hui. En fait, dans la même journée où a été diffusé cet épisode, on a eu la chance d'obtenir une date pour cette suite. Donc en plus d'avoir une date, on a même eu droit à un synopsis. Donc la date en fait, elle est pas ultra précise néanmoins, et il va falloir attendre 2020. Donc minimum 8 mois. Bon déjà c'est mieux que rien, c'est en 2020. Après voilà, on n'a pas de mois, on n'a pas de date. Je vais quand même te partager le synopsis, parce que bon, avec le manga qui est déjà paru, on peut en avoir un facilement. Et du coup, je vais te le raconter. Emma et Rai ont réussi enfin à fuir l'orphelinat avec la plupart des enfants, et s'aventurent donc pour la première fois dans le monde extérieur. Malheureusement, ils restent coincés dans une dangereuse forêt. En cours de route, ils rencontrent Mujika et Sunju, qui les entraînent et les préparent pour leur voyage vers la B0632. Alors je ne sais pas du tout qui sont Mujika et Sunju, bien que j'ai une petite idée parce que j'ai lu quelques scans après la saison 1, mais le B0632, je ne sais pas du tout. Je pense qu'on peut s'imaginer que c'est là où les autres humains qui ne sont pas dans le centre sont. Donc voilà, petite vidéo très informative, il n'y a rien de plus. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne si tu es nouveau, comme ça tu seras au courant de chaque news du genre, parce que je kiffe les partager, ça fait des vues en général. Allez, on se dit à la prochaine, c'était Alkay du Patin d'animation, bye tout le monde.